m'appelle Seylou, j'ai 11 ans. Bon, ce que nous voulons, j'ai un message à envoyer à l'ONG, car on souffre ici, il n'y a pas bonne vie ici. Tous les jours, nous sommes là pour manger, mais on n'arrive pas à bien manger. Il y a tout la misère ici, on ne peut pas, on ne sait pas comment faire. On sort, on arrive à entrer à la barrière, jusqu'à la troisième barrière, la Guadeloupe nous met dehors, jusqu'à arriver à nous taper, nous blesser. Ça, ce n'est pas normal. S'il vous plaît, aidez-nous, regardez-nous. Nous sommes tous des mineurs, il y a beaucoup de mineurs parmi nous, mais regardez comment nous maltraitent. Pour manger, pour boire, pour dormir, mais on ne dort pas dans les bonnes conditions. S'il vous plaît, on vous demande pardon, regardez-nous. Regardez l'âge que j'ai, c'est seulement 11 ans. Mais la manière que nous maltraitons ici, c'est comme si on avait 40 ans seulement. S'il vous plaît, regardez notre cas. Étudiez bien notre cas. Faites-nous sortir de là. S'il vous plaît, aidez-nous. On souffre tellement ici. Il n'y a pas la bonne vie ici, s'il vous plaît. Et c'est tout ce que je voulais dire. Tu vas à école? Oui, je veux fréquenter un peu. Moi, j'aimerais être un footballeur. J'ai un peu de talent là, j'aimerais être un footballeur. C'est ce que je souhaite d'être. Je vais, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, je le ferai. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Je n'ai aucun contact de, je ne sais pas là où ils sont. Regardez. Ici, comment, même si j'avais un contact, comment pourrais-je les appeler? On souffre ici. On ne peut pas les appeler. S'il vous plaît, regardez, on t'a aidé-nous. Faites-nous sortir de là. S'il vous plaît. On souffre tellement ici.